The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. If you're really doing this, I want to help. Good. Good. I've been recruiting for the Rebellion for a long time. We destroyed our home! I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance to make a real difference. Are you with me? All the way. Salut, c'est Saran. Salut, c'est Sandar. J'espère que l'intro elle vous a plu, l'intro qu'a fait magnifiquement Sandar. Ouais, j'ai eu d'inspiration, vous avez vu, hein, c'est super génial. Moi ça m'a beaucoup fait rire. On va ouvrir des jetons Star Wars, les jetons Star Wars oui. Qu'on trouve au Leclerc. Il y avait déjà eu ça l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, ouais, t'as peut-être raison. Alors, pour rappel, c'était un classeur comme ça qu'on achetait au Leclerc, qui coûtait dans les 2-3 euros. Et ces jetons, qui s'appellent Cosmic Shell, ils s'appelaient déjà comme ça à l'époque, je crois. Et donc, c'était un classeur qui reprenait un peu des personnages, vu que Star Wars 7 allait sortir. Ils ont fait tout un truc autour de la hype. Et puis, il y avait un plateau de jeu, parce qu'on pouvait jouer avec, mais personne ne le faisait. Super. Et donc, cette année, ils ont réitéré le truc. C'est des jetons, on vous en donne un par tranche de 30 euros d'achat. On peut toujours réclamer aux petites vieilles à la sortie des caisses. Ce que t'as fait. Ouais. On peut toujours réclamer aux caisses ce que j'ai fait aussi. Voilà. Et on peut toujours avoir une mère trop cool qui vous en donne aussi parce qu'elle achète plein de trucs. Et donc cette année, ils nous ont fait un truc Star Wars Rogue One. Donc c'est pas Star Wars Rogue One d'ailleurs, c'est Rogue One Star Wars Story. Exactement. C'est ça le titre. Et donc un magnifique classeur du même format. C'est vraiment cool. Moi j'aime vraiment beaucoup. C'est très con. C'est très voilà avec le truc Leclerc, c'est un peu bête, mais en même temps ils sont vraiment cool et les jetons sont chouettes. Dedans on a toujours le petit livret de jeu. Et là on a tous les personnages de Star Wars 7, plus des espèces de trucs chelous, genre vous allez voir des logos de l'Empire, de la République, et des personnages de Rogue One en exclusivité. Gros port. Il y en a 54 comme l'année dernière. On espère avoir les 54. On espère. On ouvre 50 jetons, donc c'est pas vraiment vrai. Il y a un tas de 25. Un tas de 24, donc on va tous les deux se répartir l'ouverture. Et on a eu aussi, par des gens, des amis et tout, 4 paquets de 2 jetons déjà ouverts. Donc on verra à la fin, ça se trouve ce sera des jetons qu'on n'a pas. Si on a des doubles, ce sera en échange, vous n'hésitez pas dans les commentaires ou n'importe où, c'est-à-dire nulle part autre que dans les commentaires, à nous le faire savoir. Et ils donnent ça aussi, la Cosmic Box qui permet de... C'est un espèce de papercraft, on fabrique un espèce de truc comme ça, pour mettre le portable, et on peut voir des trucs en hologramme. On le fera pas, salut tantôt, bisous. Donc il y aura pas de cut, beaucoup, sur cette vidéo, désolé si elle est un peu longue. On peut pas faire autrement, c'est trop dur sur l'ouverture de faire du cut, merde quoi, putain, chira. Pour rappel, je vous montre très rapidement les anciens jetons de l'année dernière. Là j'ai chopé un Chewbacca pour démonstration. Donc je pense qu'ils vont être à peu près pareil, mais donc on va voir si ça s'ouvre facilement, sinon on utilisera des ciseaux pour que ça aille plus vite. Ouais. Donc ouais, on va utiliser des ciseaux. Hein. Alors, espèce humain, donc on va pas durer 3 heures sur le truc. Alors comme l'année dernière, ils sont retournés là, face à l'autre pour pas voir ce que c'est, et donc il y a des holographiques, et voilà, donc les holographiques sont plus rares forcément je crois, ouais. Et donc comme on va aller assez vite hein, pour pas que ça mette 3 ans, yes. Alors on a le First Order, ouh, logo du Premier Ordre, et on a Finn en holographique, chouette. Oh, on a un Snow Speeder, super cool. Donc ça c'est dans la trilogie originelle, et un Finalizer qui est le vaisseau dans
dans le dernier, je pense, parce qu'il n'y avait pas ces vaisseaux-là avant, Finalizer. Pas ceux-là, en fait. C'est comme les vaisseaux, c'est les vaisseaux de l'Empire, un peu restylisés, là, je crois. Ils sont un peu chelous, mais ils sont trop cool. On continue avec un vaisseau, je suppose. Ah, oh, Finalizer et Finn et bah, des doubles. Mais une holo en double. Et ça, c'est intéressant pour vous. Exactement. Et attention, oh, je sais pas ce que c'est. Un logo, je sais pas, je comprends rien, leur truc, ça m'énerve, c'est nul. Oh, Star Destroyer. Bah, c'est ça dont je parlais, le Star Destroyer, en fait. Oh, Jakku. Donc, une planète. Donc, la planète du dernier. Oh, et Finn. Putain, mais Finn, pourquoi Finn, tout le temps, Finn? C'est quoi le délire avec Finn, là? Il se passe quoi, là? Oh, K... Alors, comment il s'appelle? Je sais pas. K2SO. Ah, alors, K2SO, super cool. C'est le nouveau droïde qu'on a dans la bande-annonce donc, de Rogue One. Que vous avez vu. Alors, nous, on fait le tournage mardi soir, donc on va le voir demain, Rogue One. On va faire, d'ailleurs, un cinéma post-it. Gégor veut faire un cinéma post-it dessus, donc ça va être trop cool. Et on va le voir, donc, le jour de sa sortie. Et là, dans la bande-annonce, nous, ça nous a fait délirer. Ce robot-là, il est vraiment cool. Moi, je le trouve vraiment cool. Ouais, il a l'air cool, ouais. On dirait un peu... Moi, il me fait penser à Miyazaki, moi. Non, dans... À Big Hero, tu veux dire. Ouais, Big Hero. Ouais, c'était obligé. Et attention... Oh, Chewbacca en holo ! Eh ben, c'est trop cool, on a la Chewbacca l'année dernière, Chewbacca cette année. Ah bah, ben, il est plus beau cette année, quand même. Ah, même si la photo était cool de l'époque. Mais là, il est chouette. Donc là, c'est la navette de Kylo Ren. Super ! Oh, cool ! Yeah, I like this, maybe. J'adore son vaisseau. Ouais, il est trop cool. Bah, c'est le vaisseau que t'avais déjà dans... Oui. Dans le, avec les ailes qui se rétractent. Oh, je fous tout en l'air, j'adore foutre tout en l'air. Oh, Chirrut. Alors, Chirrut, c'est un nouveau... Ah, c'est Alès dans l'intro. Gros coucou, Alès. Oh. Oh. Yeah, Foco Millennium Falcon. Yeah, trop cool. C'est cool. Oh, Cassian. Encore un nouveau personnage. Ouais, bah, c'est moi, ça. C'est toi, ouais. C'est moi dans l'intro. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, je vous invite vraiment à la regarder. Alors, pour ça, c'est très simple. Vous prenez cette vidéo, vous remettez au début. Voilà. Parce que ceux qui l'ont passé, franchement, c'est pas cool. Non, c'est vraiment rigolo. On s'est bien amusé. Et en plus, ça a été super long à faire. On a mis au moins 10 minutes. Donc, Flamethrooper du premier ordre. Chouette, hein. Donc ouais, ça va être dans le prochain. Mal. Ils sont super beaux. Et oh, Kylo Ren en holo. Cool, ça. Ouais. J'adore. Oh, Mas Kanata. Alors, gros coucou à David, avec qui j'ai parlé beaucoup de Star Wars 7 hier, qui n'aime pas du tout le film et que j'adore, moi, et qui n'aime pas du tout ce personnage. Et moi, je trouve trop bien. Non, mais t'es fou, David. Okay. Oh, Krennic dans l'intro. C'est celui qui me conseille, bah, qui te conseille de me prendre en tant que partenaire sur cette vidéo. Et il a eu raison, puisque regarde à quel point mon ouverture est exceptionnelle. Oh, Stormtrooper et X-Wing. Trop cool. Ah, ça j'adore. Vraiment chouette. L'illustration du Stormtrooper, je la trouve magnifique. Encore Maz, on va pouvoir l'offrir à David. Ouais, pour Noël. Et oh, Poe Dameron en holo. T'en as Finn et Poe. Finn et Poe. En holo. Finn et Poe en holo. Oh, chasseur X-Wing de Poe. Ah oui, c'est son chasseur qui est jaune. Ouais. Il est trop classe. Le pilote. Oh, c'est pas une holo? Non. What the fuck? Alors, Dark Vador n'est pas une holo. Alors, moi je comprends plus rien. C'est le personnage le plus important de toute la saga. Mais il est pas. D'accord. Encore le chasseur, il est pas shiny. Encore le chasseur d'X-Wing de Poe, et attention, Cassian, mon ami. Oh, C-3PO, what baby? Voilà. Et croiseur, Calamarian. Donc ça va être dans le prochain. Alors, on a le Death Trooper, génial, il est trop beau. J'adore, je kiffe. Hein, il est trop beau, en vrai. Il est stylé. Ouais, j'adore ces petites loupiottes là. Ah, mais c'est pas lui qu'on C'est pour ça, Sam Fisher, Splinter Cell, ceux qui connaissent, RPZ. Toi-même, tu sais, le jeu préféré de Gégor, hein, Splinter Cell. Speeder de Rey, cool. Ah ouais, c'est le vaisseau au début, là, où elle a mis toutes ses ferrailles qui récoltent. Ouais. Dommage qu'il explose vite, mais... Ouais, c'est vrai qu'il explose vite. Je kiffe son vaisseau, quoi. Ouais, encore le croiseur Calamarian qu'on connaît pas. Captain Phasma, qui va être super mis en avant, je pense, dans le 8. Ouais, je pense, ouais. Résistance, cool. Donc ça, c'est dans le prochain. C'est la République résistante. Ouais. Ok, c'est le symbole de la République et... Ok, c'est cool. C'est cool. Et encore le Dark Vador, qui n'est pas holo. Oh, TBTT, transporteur blindé tout terrain. J'adore les chiens. Oh merde, je suis complètement hors cadre. Je suis là. Alors TBTT, trop cool en vrai. Et encore le Poe Dameron de merde. Oh, BB-8. Ouais, marrant, tu vois. C'est rigolo comment c'est fait. Ouais, c'est sympa. Et I like. Oh, Speederbike. Oh, Stormtrooper du premier ordre. Donc c'est une holo. Étonnant, tiens. Étonnant. Et la navette impériale, chouette. C'est celle-là, tu vois, qui me fait penser au vaisseau de Kylo Ren. Oui, oui. Tiens, je l'ai en double. Ah bah, cool. Et, oh bah, Finalizer encore. TRTT Walker, transport de reconnaissance tout terrain. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à lire, c'est tout petit pour moi. Et super chouette, ça, c'est les espèces de trucs très mal modélisés dans... Oui. Et c'est 3PO. Stormtrooper, ouais. Oh, BB-8 en holo. Oh, trop. Donc, elle existe en holo et en chelou. Moi, j'adore BB-8. Ah, moi aussi, mais attends, il est trop cool, BB-8. Et le dernier de mon ouverture, Stormtrooper tout...
Stormtrooper, troupe anti-émeute. Ça va être pour la résistance dans le prochain, ouais, je suppose. Ouais, ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est le... Ah, il n'y a toujours pas le logo. Et le Destroyer impérial. Donc là, c'est plutôt cool. On a eu des trucs super chouettes. Pas mal de l'eau, je trouve. Pas mal de l'eau. Mmh. Pendant que Sandar fera son ouverture, je ferai un petit récapitulatif avec la liste que j'ai à la fin de ce qui nous manque, ce qu'il nous faut, et voilà. Ok, voilà. T'es prête? Ouais. Destrooper, on l'a déjà eu. Ouais. Génial. Et là, tac, on l'a déjà eu. Allez, ça commence bien. Ouais, Destrooper, voilà. T'as vachement de chance, ouais. Et, ah, oh, c'est Jakku. Ah, Jakku, j'ai eu. K2S0. Et celui-là, elle avait pas ça. Oh, elle est solo, Destin. Yeah. Trop cool, en holo, elle est cool. Ah, j'adore. Elle est very content. Oh, le Millennium, juste après un solo. Hein. On l'a pas eu, on a eu la version, ouais. C'est comme BB-8 tout à l'heure, en mode juste ouais. Typo, quoi. Typographique. Et Podamon en holo. Ah, encore BB-8. C'est cool, une double. Celle-là, je suis content d'avoir double. Et encore elle. Encore lui. Hop, au moins ça va aller vite avec moi. Ça, on l'a déjà eu aussi. Oula! Ah bah voilà, Sandar a tout foutu en l'air. Elle est maladroite, Sandar. Elle est maladroite. C'est la pression. Si on a le temps dans cette vidéo, je vous parlerai d'une maladresse qu'a fait Liz aussi. Bon, sinon, dans une autre vidéo, c'est pas grave. Ouais, encore BB-8, encore lui. Oh! Short Trooper. On l'a pas eu. On l'a pas, ouais. Oh ah, cool! Chasseur taille d'élite. Ouais. C'était il est cool. Aussi. Donc, encore Monsieur le Général. Et encore Jakku. Jakouille! Navette encore. Oh! Et oh Slave! Slave One. One. C'est un peu le vaisseau qu'utilise d'ailleurs Boba. Hein. Il a un vaisseau. Ah, ouais, il a ce type de vaisseau. Oui, c'est vrai. Parce que c'est le Slave One, je sais pas, mais c'est un Slave, c'est sûr. C'est ce type de vaisseau ouais. Un peu avec les bombes soniques. C'est cool. Donc encore le Death Trooper. Capitaine Phasma encore. Attention! Ah, oh, tes souhaits! Oh! Deux qu'on a déjà eu. Non, Speeder, tu l'as déjà eu. Et ça, c'est cool. Quoi on sait dans l'autre quoi. Sens, la résistance. Ouais, ah oui, on l'a déjà eu aussi. C'est normal que je... Bah, je comprends pas, si j'arrive pas à lire quand c'est à l'envers, je sais pas pourquoi. Je croyais que c'était des chiffres. Tu m'étonnes. Ah, ah encore le faucon millénaire. Et encore Chewie. Encore Chewbacca. Chewie. Ah, R2-D2, on l'a pas eu. Ah, on l'a pas eu. Ah, moi j'adore R2-D2. Moi aussi, beaucoup, bah oui. Et O.O. aussi, elle adore. Oui, oui, O.O. adore R2-D2, ouais, c'est vrai. Hop, et encore l'autre. Poe Dameron. Encore un vaisseau. Speederbike que j'aime beaucoup. Ouais. Qui est cool. Et ah, on n'a pas eu ça. Edgar. J'arrive pas à lire, ouais. Edgar. Oh, oh on l'a déjà eu. Et oh, on l'a déjà eu. Mais je l'aime bien. Ouais, on l'a déjà eu. Ah, que celui-là, on l'a déjà eu. Je sais pas. On l'a déjà eu. Et on va pas avoir la collection complète, mais avec une centaine. Le but, c'est de savoir si on allait avoir et la collection complète. Mais bah là, c'est mal parti. On a encore Alès. On a encore Alès. Alès le chinois, Alès le nain. Short Trooper encore. Tu tiens beaucoup trop tes jetons. Et un chasseur machin d'élite encore. Oh là là. Oh, oh ça, on l'a pas eu. Cool. Alors, Bistan et Pao. Et Pao. Ok, c'est cool. Putain, c'est cool. Ouais. C'est la dernière, c'est la 54ème. Ouais. Ah bah cool, on a la dernière. Ouais, on a la première et la dernière. Han Solo. Ah, pour ceux que ça intéresse, on en a deux. Ouais, Han Solo peut intéresser du monde, hein, je pense. Ah ouais. Et ça, encore, ça, le TBTT, on l'a déjà eu. TBTT. Ouais, bon, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Et c'est. Oula, 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 ça glisse. C'est encore un vaisseau. Ouais. C'est le même. Ah non, on avait deux. Ah non, parce qu'ils ressemblent. Tu vois, oui, ça, c'est les... voilà, voilà, ça y est, on les a. C'est ça qui ressemble. Côte à côte, et effectivement. Parce que quand style. Ça se replie là, ouais. Hop, tu vois, c'est le même style, mon gars. Tu vois ce que je veux dire, c'est un clin d'œil, mon gars. C'est un peu la même veine, tu vois. Hey ouais, du coup, on a deux fois la dernière, si ça intéresse. Et hey, on 8, a on a déjà 8, mais je sais pas ce que c'est, 8, moi. Ça, on l'a déjà. Oh, on l'a pas eu yeah le module de Kozanaki. J'adore ce module, putain. Il est trop bien. Mais oui, avec. Oh, tu fais bien. Eh, on l'a déjà, putain. On l'a déjà. Et. On l'a déjà. Ils sont pas shiny. Ils sont pas shiny. Ils sont moches. Les deux dernières, on les a. Eu tous les deux. On a eu les X-Wing, ouais, ça. Bah ouais. Bon. On va voir dans nos petits bonus. Oula, il y en a plusieurs. Oh, il y en a plein des bonus. C'est bon ça. C'est cool. Donc le Snow Speeder, on avait déjà, navette, on avait. Et le module. Eh, mais c'est pas mal. Si en plus il y en a 72 dans chaque petit paquet, on est bien. Encore Alès. Ah, c'est trop PO. Et encore le premier ordre. La navette de Kylo Ren. Et. Oh, on l'avait pas. Yeah. Yeah, mon gars, yeah. Cool. Et là-dedans, il y en a qu'un. Du coup. Ah bah d'accord, bon, je suis dessus. C'est un peu rare, hein. Franchement, c'est rare. Non. Et après nous en manquer beaucoup, ça va être cool, on pourra faire des échanges, ça va être bien les gens. Ouais, et c'est... Slave, ouais. Il nous en manque pas beaucoup, alors à vue de nez, comme ça je vais vous dire ce qui nous manque, mais à vue de nez. Rey. Ah putain, Rey. On a pas eu Rey. Kylo Ren, qui doit être une holo. Reg Starkiller, c'est un vaisseau. Le Stormtrooper, mais la version dessin. Comme on a eu la version ah oui, BB-8 ouais. Dessin. On n'a pas eu l'étoile de la mort, on n'a pas eu Jean. Plusieurs mecs là, du nouveau, ouais. Un chinois, le mec avec les lunettes là, on les a pas eu. Sur 54, c'est pas mal. On vous fait des bisous, on vous dit ciao tantôt, à plus dans le bus, merci à tous. J'espère que ça vous a plu, et envoyez-nous vos jetons. Oui, on fait des échanges, soyez cool.